Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes en direct live. Nous sommes sur la page justement des artistes, live et prestations. Donc aujourd'hui, c'est super. Il fait beau temps. Il a plu pendant près d'une semaine. Mais aujourd'hui, c'est le soleil et nous allons profiter car nous allons recevoir une artiste, une merveilleuse artiste. Alors je dirai par son nom tout de suite. Ce que vous devez savoir, c'est que bientôt, on n'aura même plus à l'annoncer. Elle sera peut-être une grande artiste, j'espère, qu'elle pourra monter encore très haut. Là, aujourd'hui, on va vous faire un show, 6 titres. D'accord? 6 titres, c'est que du zouk live, du zouk qui parle d'amour, qui parle de tout un peu. Voilà. Et cette artiste, bien sûr, c'est Sylvia Silsenker. Voilà. Eh bien, vous la connaissez peut-être, vous la connaîtrez encore mieux quand vous aurez aujourd'hui à entendre ces 6 morceaux prestigieux. Alors déjà, je vous donne déjà un petit applaudissement, s'il vous plaît. Merci encore. Eh bien, on peut dire que c'est des applaudissements qui sont déjà, on va dire, la première paye d'un artiste. Et la première paye d'un artiste, ça donne envie encore de choquer déjà. Donc, le premier titre déjà. Alors, vous savez, on parle de séries télévisées, beaucoup de séries télévisées. Les femmes qui aiment s'asseoir devant leur télé, elles oublient un peu des fois le riz sous le feu, l'eau sous le feu. Qu'importe, c'est toujours une petite engueulade après, dans les couples. Mais pourquoi le regarder d'après vous? Parce que ça parle d'amour. L'amour, les shows télévisés, tout ce qui est amour, gloire et beauté, télé, TV Novelas, ah ben voilà. Donc cette charmante et jolie artiste va nous faire savoir ce qu'il se passe. N'oubliez pas que l'amour, il fait rêver, n'est-ce pas? Mais rêver à la télé, non, je ne pense pas. Rêver à la télé, ça c'est que c'est pas une réalité, c'est une fiction. Donc là, elle va nous parler du vrai amour. Mais elle va nous faire savoir aussi, bien sûr, ceux qui aiment bien regarder la télé, les shows, l'amour. Oui, Sylvia, Silsenker, tu peux venir, Sylvia, tu peux venir. Viens, viens, viens. Ah ben, on va te demander de te présenter, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Donc là, tu as quelque chose à rajouter pour tes fans? Eh bien, je vous remercie tous d'être là, d'être connectés. Et le show va commencer. C'est parti. Thank you.
Merci, bravo, des applaudissements s'il vous plaît, des applaudissements. Brian, tu peux venir s'il te plaît? Oui, on vous demande chaleureusement des applaudissements. Ouais! Ben Sylvia, merci. Alors Sylvia, tu vas nous présenter un deuxième morceau. Tu vas nous présenter un deuxième morceau, oui, bien sûr. Alors, je peux dire ça pour cette artiste. Pourquoi? Parce qu'elle parle beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Elle sait très bien cacher en plus. Et jouer avec les mots, les sens. C'est à vous de comprendre des fois. Alors, je me souviens bien qu'il y avait des paraboles. Des paraboles dans son zouk. Ça existe aussi. Cette artiste, elle nous fait un petit show. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu des artistes pets qui aimaient cacher dans leurs œuvres de peinture. Tout ce qui était énigmatique. Donc, il fallait essayer de traduire, il fallait essayer de comprendre. Donc, bien sûr, dans les musiques, on fait toujours passer un message qui est vrai et c'est une réalité. Et quand on a un message à faire passer, soit ça passe, soit ça passe pas. Alors là, c'est à vous de comprendre le secret, ce qu'elle veut vous faire comprendre, bien sûr, pour son super titre qu'on appelle Machiavel avec lui, bien sûr, Sylvia. C'est parti. Ok. Alors, je veux voir tout le monde. Comme ça, comme ça. Et comme ça, comme ça. Yeah!
Merci, merci, merci. Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements. Eh bien, on n'a pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. J'ai même oublié ma petite note. Alors, Sylvia Sivsenkur, ça fait déjà des années qu'elle est dans la musique depuis toute petite. J'aimerais bien qu'elle le dise elle-même. Elle m'a fait passer le message. Elle aimerait bien sûr continuer sa carrière musicale. Donc pour ça, elle a déjà beaucoup de fans qui la suivent. Et c'est vrai qu'on lui a demandé beaucoup de choses. On lui a demandé de faire des titres compa, des titres salsa. Elle nous a proposé, elle a quand même osé nous proposer des titres kizomba. Et ça, c'est très intéressant. Hein. Bon, peut-être aujourd'hui, elle ne va pas nous la chanter. Mais elle nous a concocté encore quelque chose de génial. Il y a un troisième titre, bien sûr, elle a fait avec en feat avec un certain McDaniel. Mm-hmm. S'il est présent, s'il nous entend, s'il reçoit le message, ben c'est sympa. Alors, la très jolie Sylvia, surtout très romantique, oui, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de caresse, sans cesse. Et sans stress. Beaucoup d'amour, nuit comme jour, bien sûr. Avec quelque chose de lourd. Et c'est pour celui qui fait la cour. Voilà. Et le titre, c'est l'amour. Sylvia. Merci. Merci beaucoup. C'est moi tout seul.